Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres. Voilà, je voulais vous présenter le courrier qui arrivait déjà depuis un petit moment, mais d'Elena. Voilà, qu'elle avait fait, elle fait des petits concours comme ça sur sa chaîne ou avec des mots-clés. Voilà, elle nous fait gagner des fois des petites choses qu'elle peut avoir en double ou qu'elle a lors de ses partenariats et moi j'avais gagné voilà ce petit lapin voilà donc elle m'a mis la photo de comment il est monté voilà avec le bon la photo du dice et à côté de ça elle m'a fait une jolie petite carte voilà avec où elle est venue en patouille. Alors, je saurais pas si c'est de l'encre, Elena, je te laisserai me dire parce que je ne sais pas. Voilà, une encrée, je trouve ça très joli, ça fait un très bel effet. Papier aquarelle. Et après, elle est venue, je sais pas, je pense qu'elle l'a fait en haut, là, avec l'embossage à chaud. Voilà, son petit trait. Voilà, elle est venue mettre le mot bonheur, mettre des petits hiboux qui sont très très mignons. Voilà, et coller quelques strass en bas. Elle est très très jolie ta carte, Elena, merci. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi celui qui est arrivé ce week-end à la maison. Donc le courrier de Corinne MC Création. Hop, j'ai juste ouvert pour pas faire de bêtises avec les adresses. Voilà. Oh, c'est joli. Voilà, Corinne, comme moi, on fait partie du groupe Friendly. Pour le mois de mars, voilà, on devait réaliser un tag, enfin un double tag, voilà, où on venait mettre plusieurs informations à l'intérieur, ainsi que ce que l'on aime, que l'on n'aime pas, voilà, avec nos coordonnées. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de sa chaîne. Voilà. Et du coup, je vais vous présenter. Elle m'a fait un tag. Voilà, il est juste magnifique. J'aime beaucoup tes petites perles comme ça avec les plumes. C'est très beau. Ton ruban aussi avec toutes ces petites fleurs est magnifique. Voilà, et elle est venue mettre printemps fraîcheur, printemps douceur. Voilà, elle est venue mettre une petite plume ici aussi dans le pot de fleurs. Voilà, mettre des éléments en 3D. Il est très très joli. Et puis bon, elle n'a pas mis que ça. Alors elle m'a mis des tampons de chez Action. Alors j'ai cette planche, mais je crois que ma maman ne l'a pas. Donc tu me diras Corinne si t'es d'accord que je puisse le passer à ma maman. À ma maman, elle sera contente. Ensuite, j'ai joli marque-page. Voilà, tout simple. Mais qui est très très beau. J'aime beaucoup ton personnage. Il est très très joli. Vivre sa passion, profiter de chaque instant. Il est très très beau. Il va aller dans le livre que je suis en train de lire. Et ensuite, elle m'a mis des tamponnages. Voilà, un peu de la planche qu'elle avait eue, Lady Vagabond. Voilà. Donc, papier aquarelle. Va falloir que je fasse de l'aquarelle. Petit défi, Corinne. Parce que c'est pas gagné. Je suis plus feutre à alcool qu'aquarelle. Mais bon, il faudra que j'essaye. Ou du moins crayon de couleur, peut-être. Et là, je pense que je vais bien m'amuser aussi. Et puis, qu'est-ce que tu m'as mis? Pardon pour le bruit. J'ai un joli petit sachet.
Ouais, elle est venue faire sur le haut de son sachet. Ouais, elle est venue coller une bande de papier qui est très très belle. J'aime beaucoup ce papier avec ses hirondelles dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a mis? Des petites glaces, des petites chaussures Pâques. Elle est trop mignonne, ta pastèque. Et tes ananas aussi, ils sont trop choux. Alors, je vais vous zoomer. On va se décaler. Voilà. Tout ce qu'elle est venue me mettre à l'intérieur. Ils sont trop trop mignons. Et avec, elle est venue me glisser voilà, une planche de stickers. Et deux jolies planches, moi, ça ira, je vais le mettre dans mon bullet journal. Je pense que ça ira très très bien. Alors, je vais vous la mettre comme ça vous verrez mieux ce qui est écrit. Loisirs, dépenses, travail, personnel, affaires importantes, à lire, liste, à voir, idées, à compléter. Planning, notes, photos. Et là, on a ma journée, ma priorité, mon objectif, mes envies, mon menu, mon budget, mon planning, anniversaire, rendez-vous, réunion, date, shopping, projet, gratitude, sport, cinéma, restaurant, fête, sortie famille, voyage, vacances, matin, midi, après-midi, soir, nuit, semaine, week-end. Ah, c'est pas mal pour faire le planning. Plus quand j'ai des projets bien particuliers. Fiesta, vacances, brunch en famille, week-end. Netflix. Celui-là, il va y être. Là, c'est mieux. Celui-là, il va être bien utilisé. Vu que je vais être quand même pas mal en vacances, assez. Enfin, genre pas mal de RTT que j'ai posé cette semaine. Du coup, je sens que je vais rattraper un peu trop tard Netflix sur les séries où j'ai commencé. Journée 10 sur 10. Ce soir, je sors pause café. J'aime beaucoup ça. En tout cas, merci. Tes stickers, ils sont très mignons. Voilà, je vais les mettre dans mon bullet journal en suivant. Voilà, cette petite boîte aux lettres courrier qui est arrivée. Et je voulais vous montrer aussi ce qui est arrivé. Voilà, mes petits embouts pour la fuse, normalement, que je vais essayer d'utiliser voilà, avec le Pierrot Graveur de chez Action. Donc, on se retrouvera dans une vidéo pour faire un petit test, voir si ça fonctionne et si je peux l'utiliser pour faire mes pochettes en rangement Diamond Painting. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. En espérant que cela vous plaise aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour les filles, voilà, pour leur dire bravo pour leur travail. Et je vous dis à très bientôt. Scrap bisous!